Alors, la dernière partie, Inch'Allah, être resté dans le cadre du licite est fondamental pour le croyant. Cela résulte de l'obéissance à Dieu et son prophète. Et on ne peut adorer, aimer, se rapprocher de Dieu que selon sa volonté et ses ordres, pas selon nos humeurs changeantes et volatiles, encore loin selon nos penchants et inclinations. Il y a un cadre à respecter. Cinq prières. On peut faire six obligatoires ou rajouter une raka'a. D'accord? De ce fait, le licite devient le passage obligé vers cette vie intérieure. Donc, le licite, bien sûr, et tout ce qui est recommandé. D'accord? Tout ce qui est surrogatoire. Si tu veux vraiment la proximité d'Allah, il faut faire plus. De ce fait, le licite devient le passage obligé vers cette vie intérieure. Cet humanisme, cette miséricorde qui emplit le cœur du croyant et qui transparaît dans sa vie de tous les jours, sur ses paroles, ses gestes, son regard, son souffle et sa conception de la vie. On voit l'effet de ce halal sur le visage, dans les gestes, partout. Comment peut-on prétendre au véritable humanisme, à la miséricorde entre les hommes, à faire de bien et l'aimer ainsi qu'aimer faire le bien, à s'éloigner du mal et le détester tout en désobéyant au Créateur? Comment peut-on prétendre au véritable humanisme, à la miséricorde entre les hommes, à faire le bien et l'aimer ainsi qu'aimer faire le bien, à s'éloigner du mal et le détester tout en désobéissant au Créateur. Donc, l'adoration de Dieu nous rapproche à la fois d'Allah et de ses créatures. Voilà, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Vous avez une petite remarque? Une grande remarque aussi. Quand le cœur il est souillé, Oui. là on a parlé comment éviter de le souiller, Oui. mais là quand il est souillé. Le istighfar, le dhikr d'Allah Azzawajal, la prière à l'heure, des actes surrogatoires, faut nettoyer la souillure. Invocation de Dieu, invocation de Dieu et le polissage du cœur. Et n'est donné qu'aux gens pieux. L'invocation, c'est deux. Invocation, subhanallah, alhamdulillah, la prière sur Seyyidina Muhammad, la ilaha illallah. Ça, c'est vraiment le produit pour nettoyer le cœur. D'accord? Pour le polir aussi. Même s'il est propre, si tu veux le faire briller, alors il faut l'invocation de Dieu. Tu deviens, mashallah, lumineux. C'est toujours utile, hein? C'est toujours bénéfique. Et Allah nous a demandé d'invoquer beaucoup. La piété est la porte de l'invocation, et l'invocation est la porte de l'intuition, et l'intuition est la porte de la grande réussite. Nous avons le remède, déjà. Hein? Il y a des gens qui vont vers les calmants, halal ou haram. Ils cherchent à calmer cette suie. Cette suie, attention, quand on doit suire, c'est pas juste une couleur, la rouille, un peu de la rouille rouge comme ça, sur un bout d'acier. Oh, non, non, non. La rouille du cœur, c'est douloureuse, hein? C'est très douloureux. C'est la souffrance, c'est la tristesse, c'est l'inquiétude, le stress, tout. Hein? C'est ça, on voit sur la face. Le bien rayonne et le mal, ou bien le péché, assombrit le visage. Il devient, subhanallah, fumé, comme s'il est fumé. Hein? Subhanallah, triste. Hein?
va parler avec les gens, ses autres. Donc, ça, c'est... Donc il faut se dépêcher à nettoyer vite. Parce qu'avec le temps, ces souillures, c'est cette rouille, on appelle ça la rouille aussi, la rouille du cœur, s'enracine, elle devient ancrée, s'intègre au fond, au tréfonds du cœur. Et là, la maladie devient chronique. C'est comme la rouille sur le métal, au bout d'un moment, ça s'incruste et ça fait un trou. Voilà, après c'est fini. Tu ne peux pas, ça on appelle, après le cœur malheureusement devient scellé. Donc il faut se dépêcher, il faut pas aller, comme la maison, si tu laisses la saleté, si tu ne nettoies pas, après c'est fini, il faut demander. Demander de le cœur, aussi, barakallahu fik, même le cœur, si vraiment il est ancré, donc la rouille est devenue ancrée, il faut chercher le renfort à la mosquée, il faut venir ici à la mosquée, il faut fréquenter les frères, il faut chercher la lumière des autres, parce que ta lumière est devenue insuffisante pour nettoyer ton cœur. C'est ça l'importance de la mosquée. La mosquée, c'est un hôpital spirituel. Je vais juste demander, la chicha, c'est licite ou pas? C'est illicite. Ah, c'est comme la fumée, comme les cigares. Chicha. Non, mais s'il y en a, ils m'ont dit genre, ouais, c'est pas la même chose, c'est avec de l'eau. C'est pire même, j'entends. Ah, là, et puis elle vient d'eau, elle vient des pays arabes. Oui, c'est ça. Ça n'a rien à voir. Malheureusement, maintenant, ça n'a rien à voir. Ouais. Qu'Allah nous pardonne, Inch'Allah. En Europe, elle a pris une énorme importance. Hein. Ils sont... Waouh. Qu'Allah nous guide, Inch'Allah. Il guide tout le monde. Il donne le bonheur à tout le monde, dans la vie d'ici bas, dans la vie de l'au-delà. Toujours quand tu vois quelqu'un, tu fais dua pour lui. Commence par ta femme, tes enfants, toujours. Quand tu le vois, tu fais dua avec ton cœur. Hein? Inch'Allah, comme ça, au lieu d'avoir des conjonctures et des mauvaises pensées, tu remplis le cœur par tout ce qui est positif. La guide tout le monde, Inch'Allah. Vous avez quelque chose, tout est clair, le licite est clair, hein? Le problème c'est la zone grise. Si on a un doute, il ne faut pas le faire, c'est tout. On essaie, qu'Allah nous guide, Inch'Allah. Et si on le fait, on fait le haram, on fait le repentir, on se dépêche, on fait le repentir, on nettoie directement, il ne faut pas laisser la saleté s'accumuler. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم العصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Demain une nouvelle leçon, inshallah, un nouveau cours sur la science du Coran. On va voir comment le Coran était révélé, la révélation, l'écriture du Coran. Le rassemblement du Coran au premier, après à l'époque de Sayyidina Muhammad, à l'époque de Sayyidina Abu Bakr, à Sayyidina Hussein. Donc l'histoire du Coran, voilà. On peut appeler ça l'histoire du Coran. Un nouveau cours, Inch'Allah. Je vais faire ça. Le soir, oui, ça c'est le soir. Shukran barakallah.